C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons dans notre nouveau dépanneur, dans notre nouvelle succursale, dans notre nouveau aussi siège social qu'on va vous faire découvrir tout à l'heure. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Merci à vous d'être présents. J'invite M. Marco Dumais, directeur général de la Coop Agriscar, à venir nous adresser quelques mots. Bien, merci tout le monde de vous être déplacés. Une grande fierté pour moi aujourd'hui est que la coopérative puisse investir à Trois Pistoles. Je pense que c'est une somme importante de supporter les gens de la région des Basses. Et aussi la fierté de ce nouveau bâtiment-là, et c'est la réussite ou le fruit de la majorité des gens des Basques. Notre contracteur, les gens qui y sont travaillés, qui ont fait le projet avec nous autres, c'est des gens qui sont de la région. La coopérative Agriscar est une coopérative de région. On réussit, on fait des réussites grâce aux gens de la région. Fait que ça, c'est une grande fierté pour nous aujourd'hui de pouvoir avoir réussi à réaliser ce projet-là avec des gens de la place. Je vais laisser à mes confrères, aussi à mon président, mais à remercier l'ensemble des gens qui ont participé et des supports. Mais merci aussi de vous être déplacés. Hein. Puis de belles opportunités vont se présenter à vous, les membres clients de ce nouveau complexe. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue à l'inauguration officielle de la nouvelle station-service Shell. On se souvient que le déménagement du centre de rénovation BMR en 2016 avait laissé les locaux beaucoup trop grands et désuets pour opérer la station-service Sonic à l'époque. Le nouveau bâtiment d'une superficie de 8100 pieds carrés au rez-de-chaussée et de 3000 pieds carrés au deuxième étage comprend une station Shell, une station d'essence Shell, un dépanneur sous la bannière Super Soir et le siège social de la coopérative. Le tout aménagé au goût du jour. Horizon Chasse et Pêche incorporé et la Banque nationale occupent les autres espaces locatifs. Occupent et occuperont. La Banque nationale n'est pas encore installée. Elle va s'installer en juin, je crois. La Coop Agriscar est fière d'offrir à la population des Basques un complexe moderne qui répond aux besoins de sa clientèle tout en offrant un service hors pair. Je me dois de remercier tous les partenaires qui ont été impliqués de près ou de loin dans ce projet, soit entre autres la Caisse centrale des Jardins, Fusion Expert Ingénieur, le groupe Filgo Sonic, entreprise Gazden Incorporée et équipement et installations pétrolières, l'entreprise Guillaume Dumont qui a effectué des travaux de construction. Je profite aussi de l'occasion pour remercier mes collègues du conseil d'administration, leur directeur général, de même que tous les membres du personnel qui ont participé à la réalisation du projet. Votre implication est primordiale à cette belle réussite. De par sa nature coopérative, Agriscar est fier d'être un acteur chef du développement, un acteur clé du développement économique de son milieu. Bonjour à tous. Merci d'être là. Alors, Mme Malenfant me faisait remarquer tout à l'heure qu'on s'est rencontrés qu'il n'y a pas si longtemps, 6 mois passés, nous étions ensemble à faire la première pelletée de terre ici en arrière. Hein? Alors, beaucoup de choses ont changé depuis et c'est à l'avantage de toute notre société pistoloise. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard, selon moi, puis ce n'est pas des éléments qui tombent du ciel, vous savez. Ce qu'on appelle Agriscar aujourd'hui est quand même la suite de ce qu'on appelait à l'époque la coopérative agricole de Trois Pistoles. Qui date de 90 ans passés. Vous savez, l'implantation d'une coopérative dans le territoire ici des Basques, ça fait quand même 90 ans que ça existe. Il y a eu des appellations différentes. Aujourd'hui, c'est Agriscar. Quoi qu'il en soit, une organisation qui a passé au fil des années, des époques, après 90 ans, qui est encore en vie et qui prend soin de faire des virages comme Agriscar le fait présentement, moi, je pense que c'est tout à l'honneur de l'organisation, de son conseil d'administration, et de ceux qui l'ont dirigé au niveau administratif aussi. De mémoire, vous savez que la coopérative, qu'on appelle la coopérative, dans le jargon ici du milieu, qui a été instaurée par des agriculteurs dès le départ, pour mieux se concerter, se protéger pour pouvoir survivre dans ces années-là, bien aujourd'hui, le virage qui est pris, c'est une continuité, comme je vous disais, de la rue Pelletier où le siège social était. Vous savez qu'à Trois-Pistoles, des sièges sociaux de cette dimension-là, de cette envergure-là, de ce qu'est la coopérative, je vais vous dire, ils ne sont pas légion. D'après moi, nous avons un, et c'est Agriscar. Alors, le conseil d'administration, vous savez, puis Agriscar gère des bâtiments, des infrastructures à Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Arsène, Saint-Éloi, et je pense à Kamouraska aussi. Alors, ils sont étendus dans le territoire, là où il y a un besoin. Et c'est très diversifié, c'est au-dessus de 100 personnes qui y travaillent.
Et c'est un bon chiffre d'affaires, je pense, autour de 40 millions par année. C'est public, alors je peux le sortir. Alors, pour vous dire, je vous suis un peu de loin, même si je ne fais pas d'agriculture, mais bon. Alors, pour vous dire que c'est un potentiel énorme et important. Alors, le siège social qui était ici, comme je vous disais, le conseil d'administration aurait pu dire on le déplace à gauche, à droite, mais par principe, peu importe les raisons, ils ont dit on continue à vivre là où on est, c'est-à-dire dans le milieu ici. Alors, c'est un plus pour notre ville de voir ce qui s'est fait ici. L'allure de l'entrée de la ville a complètement changé. De ce qui peut paraître souvent misérable comme regard physique des gens qui sont sur la 132 quand ils passent, vous venez de changer l'allure complètement d'une ville par ce que vous avez fait comme infrastructure ici. C'est tout à votre honneur, c'est tout à notre honneur aussi. Alors, de tous les directeurs généraux qui ont passé ici, là, moi, je me souviens entre autres des premiers, Maurice Moret, qui remonte peut-être à 40 ans passés, Gérard Plaute, que je vois ici, qui a été pendant de nombreuses années directeur général, Martin Gendreau pendant 15 ans, qui a été directeur général, et M. Dumais qui prend le flambeau par la suite. Alors, je veux juste saluer tous ces gens-là aussi qui ont été porteurs de la coopérative sur le plan administratif, de voir la faire avancer. Et puis, bien là, les cordeaux appartiennent maintenant au conseil d'administration présent et futur. Mais je pense que ça a une bonne envergure, c'est une bonne tournure des événements. Merci. Et je vais vous dire, la population a de quoi être fière de ce que vous avez fait ici. Et le message que je peux lancer, c'est de vous encourager tout simplement à pouvoir garder le cap et à rester debout. Merci. D'entrée de jeu, j'aimerais vous présenter rapidement notre organisation. Née en octobre 2016 de la fusion entre Énergie Sonic, une division de la coop fédérée, et Philippe Gosselin et associé, qui est un distributeur Shell, le groupe Philgo Sonic compte accroître sa présence dans la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Nous y comptons déjà 26 stations-service sous les bannières Shell, Sonic et Miraco, et nous travaillons d'autres projets d'envergure. La récente acquisition de Gazobar va également dans le sens de notre mission, soit d'être le plus important distributeur d'énergie dans l'Est du Canada. Groupe Philgo Sonic compte environ 325 stations-service au Québec et au Nouveau-Brunswick et distribue plus de 1,5 milliard de litres de carburant annuellement. Nous sommes aussi impliqués dans les nouvelles énergies comme le biomasse et nous sommes aussi impliqués dans le projet de station multi-énergie avec le gouvernement du Québec. C'est avec une grande fierté que nous sommes associés avec la coopérative Agriscar pour la réalisation de ce projet. Les membres d'Agriscar et la population de la région peuvent être fiers de cette nouvelle station-service, la plus belle du Bas-Saint-Laurent et une des plus belles au Québec. Vous faites des envieux, j'en entends déjà parler. La réalisation d'un tel projet ne se fait pas en cliquant des doigts. C'est complexe et ça requiert du temps et beaucoup d'énergie. Je tiens donc à remercier sincèrement les acteurs de première ligne. Tout d'abord, Marco Dumais, qui a porté ce projet à bout de bras depuis nos premières discussions à l'été 2016. Ça fait déjà 2 ans et demi qu'on travaille là-dessus. Nima Malenfant et Guylaine Roy, vous n'avez pas compté les heures au cours des derniers mois. Toutes mes félicitations. Je tiens aussi à remercier les administrateurs de la coop Agriscar, dont son président Valier Chouinard, pour avoir cru à ce projet, qui, je l'espère, ne sera que le premier. Je vous remercie tous et toutes pour votre présence et je vous souhaite une excellente journée. Comme M. Massé l'avait dit, dans le fond, j'ai participé avec Guylaine Roy activement à la création de ce projet-là. Moi, je ne viens pas nécessairement des Basques, mais je tiens juste à vous dire que soyez-en fiers de votre porte d'entrée, si on peut dire, des Basques, parce qu'en face, on a Rio Paysagiste, on a nous, qui est assez au goût du jour. Donc, soyez fiers de venir des Basques. Et c'est important aussi l'achat local. Donc, nous, c'est aussi ce qu'on voulait vous prouver pour vous dire, bien, regardez, on n'est pas obligé d'aller dans les grands centres pour retrouver les choses qu'on peut retrouver dans les grands centres. Donc, je vais juste vous dire, soyez fiers de venir des Basques et continuez à encourager les gens de la région. Fait que merci beaucoup à vous tous. J'inviterai maintenant, ça va être le temps de passer à la conclusion et à la coupure du ruban. J'inviterai Monsieur le maire, le directeur du développement régional du groupe Philgo Sonic, le président et le directeur général de la coop Agriscar et Mme Guylaine Roy, gérante du site, à venir me rejoindre afin de procéder à la coupure du ruban. Ça, c'est pour la photo. C'est moins spectaculaire. Oui, mais...